What's up, Last Animal Nation? Donc là, juste avant de partir en cardio, je prends mon BCA, bien sûr, avec Iron Fat Burner x6. Ces pilules. Et. Et pour la première journée, première fois, j'utilise Abs, la lotion pour les abdos. Je mets sur le torse en fait, enfin le torse, le bas du torse, donc le bas du dos et les abdos. Et ça chauffe, ça chauffe. Et là on va y aller, il est 6h du matin et il fait déjà un temps magnifique, je sais pas si on voit. Ouais, on voit bien le ciel, bien bleu. Enfin bref, et là on voit plus du tout. Voilà, je vous retrouve dans quelques minutes sur le vélo au Gold Gym. Voilà, on arrive sur la fin. 29 minutes de cardio, 310 calories. Vous voulez enfin, les abdos, on va rentrer manger. Enfin, je vais m'entraîner plus tard avec un pote espagnol. Donc, ça va être cool. Maintenant que Sean bouge ses fesses ici. Il devait être là hier déjà. Il commence à traîner. J'ai envie de commencer. Je vais passer un cadeau. Un capot dessus. Donc, j'ai hâte. Parce que mal en patience, quand ça va commencer, ça va envoyer de l'eau. Et on a beaucoup de temps devant nous. À qui traîne, c'est censé être le 1er juin, donc pas perdre de temps. Allez, à toutes. Allez, je voulais ajouter, là, quand ça fait un fois que j'utilise la crème Abs. Ouh, ça brûle. Dès que ça commence à chauffer, là, dès que ça commence à bouger, et que ça commence à transpirer. Je sens bien là, ça chauffe fort, très très fort. Donc à essayer pour ceux qui sont tentés, mais on va faire ça un maximum jusqu'à la fin. J'essaie de me mettre tous les jours. Je ne vais pas oublier de mettre le bas du dos, de mettre le sur le bas du dos aussi. Mais voilà, en tout cas, premier essai positif, ça chauffe à mort. C'est bon. Et voilà, c'est l'heure de manger. Mes 240 grammes de bœuf. Voilà, juste pour donner une idée. Les AirPods. La taille du repas. 400 grammes de riz blanc. Uncle Ben's. Mon ketchup sans préservatif. Sans agent conservateur, pour ceux qui n'avaient pas compris. C'est les petites merveilles du franglais. Hein? Avec ça. Pour ceux qui me connaissent, je mange beaucoup de sel et c'est toujours du sel rose d'Himalaya qui est très bon pour supporter les fonctions normales de la thyroïde. Enzymes digestives pour digérer tout ça. CLA, voilà. En attendant de pouvoir ajouter les oméga 3 qui me manquent en ce moment dans ma collection. Je vais passer commande lundi. Venaxine pour améliorer la circulation sanguine, donc qui est très importante. Bien évidemment pour nous, bodybuilders, avec la congestion. Et bien sûr, l'arthroxine, fausses articulations. Et puis voilà, c'est tout pour le moment. On se retrouve un peu plus tard. Aujourd'hui, donc, séance de dos. Je sais pas si j'ai mangé encore un repas avant. On verra. Peut-être un petit shake, parce que là, j'ai un peu de temps avant la séance. Donc, bon, je verrai. À toutes. Bon, voilà, j'ai décidé de manger un repas de plus. Donc, j'ai plus de patates douces à la maison, donc il faut que j'en achète après. Et là, je vais manger 180 grammes de pommes de terre avec 240 grammes de bœuf. Et puis voilà. Ensuite, on va partir à l'entraînement. Et après, on aura dinde riz. Et après, dinde et patates douces. Et ensuite, saumon. À toutes. All right. You got this? Yes. Show me what you got. Up. Come on, squeeze.
Come on. Olympia, come on. Olympia stage. Come on, you got it. Nice, come on. Yeah. Hey. You got this. Come on, Stan. Show me what you got. Come on. That's what I'm talking about. More. Easy. Too easy for you. Come on. Open up, open up. Stretch, stretch. Get that stretch. Open, open. Nice, there you go. Yes, sir. Come on, you got this. Come on. Nice. Come on. Nice, come on, come on. Keep working. Keep working. Come on. You got this. Yeah, we are. Both the Mega and the Sandbag. So, what you got there? Come on. This is what people don't see on the hours of training every day. Every day, baby. Come on. All day. Everything ready. Come on, Stan. You got this. Give me five more. Give me five more. Two. Come on. Three. You got two. You got two more. That one. Come on. You got it. You got this. Nice. You put that out of me. Let's go! The real deal. Get this shit! That's it! Oh.
Come on. Stretch. Nice. Up. Going. You got this. Give me four. One. Two. Two more. Two more. Come on. Last one. Last one. Last one. You got it. You got it. Woo! How do you feel? Tired. It's good though. Good. Tired is good. That's a good sign. Huh? That's a good sign. Yeah. We are sweating in here. It's not that hot. Come on, go stretch. Come on. Nice. Easy. Come on. Nice, come on. Big back. Big back wind shows. Come on. Easy. Squeeze. Come on. Open. Stretch, squeeze. Come on. Nice. Oh my god. That was heavy. There you go. We have some weight here. Show me what you got. Nice. Come on. Come on. I take that off. Come on. Up, up, up. Come on. Good job. Keep going. You have more. Come on home. All day. That's it. That's it. Did you give it all? You give it all? It looks like it. Literally, you give it all. Thanks, man. That's all I got. That's all I got. That's all I got. For today. Nice. Good job. How do you feel? Good. Ready to eat. Almost ready to eat. Almost. After eating, I'm still ready to eat. That's the spirit. Okay, brother. You need to get bigger, right? Like, what? Woo! Shit. Damn. Ow. I need to send you the picture of that. Right? Come on, come on, work it, work it. Come on. That's all I got you. So that's it. That's it. Great to meet you. De retour à la maison après une super séance d'entraînement de dos avec Francisco Soriano. Normalement c'était top. Donc si je n'en ai pas là lundi, il déménage demain. Donc demain c'est dimanche. Donc s'il déménage demain, il est censé. Il m'a dit normalement il devait arriver vendredi, mais bon son déménagement était un peu reculé. Donc, déménageant demain, je doute qu'il soit là lundi, mais bon. S'il n'est pas là lundi, j'entraîne sûrement avec Francesco encore. Et en attendant que Sean revienne, enfin, débarque ici. Et ensuite, on continuera toute la prépa avec Sean et Psycho, bien sûr. Enfin, Psycho en anglais. Et là, donc, j'ai mes 400 grammes de riz, 240 grammes de dinde, 93% maigre. Il y a des gens qui me disaient que mon bœuf était pas maigre à 85%. Enfin, c'est juste pour dire le niveau de maigritude. Parce que je peux avoir à 93%, je peux avoir à 97%. Mais pour l'instant, je prends du bœuf à 85% maigre. Donc, voilà. Voilà, pour l'instant. À tout à l'heure. Et après ça, je vais faire mon maquillage. Et voilà, repas suivant. Donc les patates douces, je les ai fait griller à la poêle vite fait pour que ce soit plus rapide à cuire. Du coup elles sont un peu
elles sont un peu cancérigènes. En dessous, il y a 240 grammes de dinde hachée, pardon, et donc 360 grammes de patates douces cancérigènes. Mais bon, ça a l'air bon, on va mettre du sel là-dessus. Sel, d'ailleurs, je sais plus si j'ai déjà dit ce matin ça. Ceux qui me connaissent, je crois que je l'ai mentionné déjà ce matin. Sel rose Himalaya pour soutenir la bonne fonction de la thyroïde. À toutes. Voilà, après le dernier, maintenant le dernier repas, juste après le massage qui était bien douloureux. Avec ça d'ailleurs, je profite pour prendre mon myodé, des contracturants pour les muscles, enzymes digestives et CLA. Et c'était bien violent ce massage, j'en avais bien besoin. Donc voilà, demain c'est repos. Et j'avais pas fait de vidéo la semaine passée, mais peut-être que cette fois je vous montrerai juste les repas. Et comme ça, s'il y a des questions sous la vidéo, j'y répondrai de... Ouais, sous la vidéo. Parce que je suis fatigué là. Si je mets celle-là demain matin, ouais. Je peux en répondre pendant la journée à celle-ci ou celle de la veille. Je répondrai dans le vlog. À la fatigue, j'arrive pas à penser droit. Bref. Je te retrouve demain avec mon ketchup sans préservatif et... Allez, gardez la pêche. Ciao, ciao.